Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai perdu le fil des vlogs. Est-ce un nouveau vlog? Est-ce une nouvelle journée? I don't know. Aujourd'hui, journée très excitante car tout ce que vous voyez ici, le décor change. C'est l'automne, on est le 1er septembre et aujourd'hui, nous décorons pour l'automne. J'ai mis ma petite robe, je vais vous la montrer après. C'est ma petite robe de bride. J'ai décidé qu'aujourd'hui, j'avais le droit d'être une petite bride. Alors, c'est ça qui est le plan. J'espère que vous m'entendez parce que là, la vaisselle est dessus. Mais le plan, ça serait, on s'en va à la poste. Je pense que je vais mettre mon petit colis et mes petites boucles d'oreilles aussi. Je vais aller faire ça tout de suite. Il est présentement 1h30. Joe travaillait de nuit, il vient juste de se lever. Moi, je m'y ai réveillée vers 10h. Ça fait du bien dormir un petit peu un matin. Je vais me faire un petit café pumpkin spice pour me mettre dans... Oh my god, la caméra allait prendre le bas. Ouais, j'ai mis... Non, mes bijoux sont même pas ici. C'est pas ici que j'ai besoin d'aller. Je vais vous montrer ma robe. Ma robe ressemble à ça. Je l'avais pris aux Ardennes. Elle est super belle, super longue. Ça fait du bien de s'habiller aujourd'hui un petit peu. J'ai toujours la boucle, elle est croche, là, mais c'est pas vraiment grave. Donc, c'est ça. J'ai mis ma petite robe de bridey. Je l'aime parce qu'elle est comme padded, doublée ici. Puis c'est rare avec comme ma shape de poitrine. Que des robes comme ça, ça me fait bien. Ben, elle est vraiment juste parfaitement ajustée. Un gros élastique là. J'ai mis comme des Spanx en dessous là, comme des shorts beige. Puis on voit même pas mes bobettes en tout. So, j'adore. Dans un des derniers vlogs que j'ai filmé mais que j'ai pas posté, je vous montrais nos nouveaux achats d'automne. Puis là, je pourrais vous les remontrer aujourd'hui vu que vous les avez pas vraiment, vous avez jamais vu ce vlog là. Je vais mettre ce petit collier là. Au fond, on dirait que mes idées font encore pas de sens ce matin. Mais. Deal with it because c'est comme ça que ma tête fonctionne en ce moment. Ça fonctionne un peu tout croche. On dirait que je saute du coq à l'âne. Mais en tout cas, je parlais de mon café. Je pense que j'ai fini mon idée à propos de mon café. Je vais me faire un petit pumpkin spice latte glacé. On dirait que je suis comme stressée de pas aimer ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu ça. J'ai peur d'être déçue. On dirait que j'avais tellement hâte à boire mes petits pumpkin spice latte. J'ai peur d'être déçue. Alors, je vais aller me faire un café et je vous reparle pour un petit taste test. On va voir si j'aime ça ou pas. Trop cute. Oups, je pensais que je filmais pas. Little coffee stir. Alors, comme vous voyez, on les a pas mal, quasiment tout ouvert. On a ouvert... Ah, je vais faire un petit review parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé de faire un review de mes préférés. Ben, et de mes moins préférés aussi, là. Mais peppermint, moi je l'aime beaucoup pour dans mes thés à la menthe. Je mets du sirop de peppermint dedans. Sinon, dans le temps de Noël, si vous aimez peppermint, ben ça, t'sais, ça parle de lui-même, là. Irish cream, je l'ai pas goûté. Cinnamon bun m'a vraiment, vraiment surpris. Je l'aime vraiment beaucoup. Un de mes préférés. Pumpkin spice, je vais le goûter à l'instant. Gingerbread, on l'a pas ouvert. Toffee nut, il m'a vraiment déçu. Je l'aime vraiment pas. Je l'ai bu une fois puis je le reboirai pas. Vraiment, je l'ai vraiment pas aimé. Mais si vous aimez toffee nut, probablement que vous allez aimer ça. C'est juste que je pense que j'aime juste pas le toffee nut. Hazelnut, je l'ai pas goûté parce que j'aime pas trop ça. Puis vanille, j'adore. Un de mes préférés aussi. So, on goûte pumpkin spice à l'instant. J'aurais pu mettre deux pommes, on voit ici. Ouais, j'aurais pu mettre deux pommes, mais j'en ai mis une. Puis je pense que c'est vraiment bon. Il est bon, hein? Mm-hmm. J'adore. Ça serait bien meilleur en cold foam, mais ça me tentait pas de faire un cold foam, ça. J'ai mis dans ma petite tasse de Starbucks. Alors, c'est ça, je vous arrête de vous parler, là, l'intro commence à être longue. Mais on s'en va à la poste voir si on est des colis, et après on va décorer un petit peu pour l'automne, même si mon outfit crie pas vraiment automne, mais... Fallait que je file comme une petite bride aujourd'hui. J'avais comme le besoin. Ciao!
Tu veux-tu me dire qu'est-ce qu'on mange pour souper? On mange un tofu général Tao. Puis qu'est-ce que t'as mis là-dedans? J'ai mis de l'huile de sésame, du ketchup, du sirop d'érable, de la sauce soya, du gingembre, de l'ail, des edamame, des carottes, des brocolis, du tofu, sel, poivre, échalote, avec des petites nouilles. Et yum yum yum! On s'apprête à... ben on va souper, là, il est comme 3 heures. Puis après, on va commencer à décorer. Puis là, comme je vous avais dit, comme quelques fois, là, je vous avais montré les achats qu'on avait fait. Ah! Coucou! Je vous avais montré les achats qu'on avait fait, mais j'ai comme jamais posté ce vlog-là. Fait que je vais vous montrer les nouvelles petites affaires qu'on a commandées pour l'automne. Je me souviens pas exactement, fait que ça se peut que j'oublie quelques affaires, mais... c'est ça, je vais vous montrer. Premièrement, on a commandé un tapis de salle de bain. C'est bizarre à se voir en vlogant. Ouais, tapis de salle de bain. On l'a déjà mis parce qu'on avait lavé l'eau et qu'on voulait pas comme le salir là. Fait que c'est un petit tapis orange brûlé. C'est vraiment cute. Puis là, on va changer les rideaux aussi bientôt. Sinon, je vais vous montrer ça. Joe a acheté une super de cute petite maison d'automne. Une petite boule là, fait que, qui fait de la... genre une boule de Noël, là, mais version automne. C'est tellement beau, là. Waouh! Sauf ça, on va mettre ça probablement sur le meuble à télévision. Et dans la toilette, on va mettre un petit vase comme ça ou sur le bord de l'évier de la salle de bain. Non, le bord de l'évier dans la cuisine, sur le bord de la fenêtre. C'est juste une petite pumpkin avec des fleurs. Notre rideau qu'on montre après. On a... ben, il a acheté des petites serviettes orange brûlée pour s'essuyer les mains dans la toilette. On a beaucoup de stuff orange brûlé, mais c'est parce qu'on aime vraiment l'orange brûlé. Des couvre-coussins orange brûlé. Ceci qui est littéralement adorable, c'est un petit blessed. On va sûrement le mettre sur le meuble à télévision aussi. Des petites tasses Hello Pumpkin. Celle-là, une petite pumpkin dedans, c'est vraiment cute. Very cute. Sinon, on a des petits linges pour... la vaisselle, là, on vous les montre quand on le mettra. Puis c'est pas mal ça de nouveau, mais je vous montrerai à mesure tantôt où est-ce qu'on place nos décorations. Pas mal excitant. Let's eat and let's decorate! Thank you.
On a décoré, c'est trop cute, regardez. Trop cute. Il nous manque quelque chose pour mettre là. On avait mis quelque chose en attendant. J'ai changé des choses là, depuis que t'as montré. J'ai montré le niveau. Dedans ça. On a acheté une nouvelle petite palette pour mettre sur le poêle qui fait plus automne. Fait que ça c'est cute. Puis pour mettre sur le mur où ce qu'il y a nos trois petits cadres de fleurs, on a acheté ça au Jean Coutu. C'était pas cher, 20-30$. So, c'est quand même gros là. On va mettre ça, vu-tu le tien, je vais leur voir ce que ça va donner. Ben, je vais le mettre. Tu vas le mettre? Ouais. On va le mettre, puis on va laver les mains avec mon savon d'automne. Puis en attendant, j'ai vu qu'on allait au Jean Coutu. Ben, on allait au Jean Coutu pour... Je vais attendre que tu aies fini de laver, mais... Okay. On allait au Jean Coutu pour aller chercher une partie de nos photos de engagement qui est arrivée. Ça fait que je vais vous montrer parce que je vous avais pas montré ici les photos qu'on avait prises. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Ouais, c'est ça. Si vous voulez voir plus en détail mes photos, vous pouvez aller voir sur mon Instagram. J'ai posté mes préférées. Alors, premièrement, je vais vous en montrer quelques-unes ici, là. On a fait printer celle-là en 4x6 pour la famille. Ah, c'est pas le cute en mât. Après, on a celle-là. Celle-là, je pense que c'est pour ma mère ou pour printer. Ou pour mettre un code, je me souviens pas. Je trouve qu'en mât, c'est plus beau dans les cadres. Fait que ça, c'est les deux-là qu'on a reçus. Puis après, en 8x10. Ah, oh, elles sont belles! On a celle-là. Ils sont plus belles, mât. Ben oui. J'avais jamais pris des photos de même. Avant, j'étais tout le temps shiny, là, genre. Ouais. Ça va être beau. Je vais accrocher ça dans les codes 11x14. Ça focus, tu focus pas. Je vais accrocher les deux noirs et blancs dans comme 11x14. Comme ça. Après ça, on a celle-là. Aussi en gros. Mmh. Real cute. Puis là, on a d'autres qui s'en viennent aussi. En 11x14. Soit on a deux 8x10, puis un 11x14. Fait que on vous montre ça, je pense qu'on mettra ça dans des cadres, mais voilà. Nos petites photos. On va mettre ce soir. Ouais, je pense que oui. J'ai trouvé un cadre de 11x14 dans la chambre. Tout mes micros trop vite. Ok, je vous montre les petites décos finales. Ah, c'est mignon! Voilà, c'est ça notre déco! J'espère que vous avez trouvé ça beau. Je vous ai-tu montré finalement? Je pense que oui. Manu, si je vous ai pas tout montré, j'ai fait un petit Reels Instagram qui montre toutes nos petites décos. Donc, c'est ça. Sur ce, je pense que je vais conclure le vlog. Puis on s'en reparlera dans un prochain. Je sais pas à quel point il va être long, mais je vais m'arranger pour que je le combine avec quelque chose. So, c'est ça. Sur ce, je voulais-tu montrer le cadre qui était là? En tout cas, on a changé la photo dans le cadre là. Les autres, on va attendre au prochain vlog pour vous les montrer. Donc, c'est ça. Sur ce, on vous dit bye. Et on se reparle dans un prochain vlog. Ciao! Yolotone, comme dirait Johnny. Yolotone. Yolotone. Hey, attendez, guys. Non, on finit pas le vlog tout de suite. C'est une importante. 911. Nos tasses d'automne. Ok. Et puis, on va se faire. Je vais juste vous montrer, là, c'est une idée. Prenez. On va prendre thé vert. On va se faire un thé vert. Et puis, on va se chauffer. Bon cidre de pomme. Yay! Ça va être là, on va écouter des vlogs comme ça. Ok, ciao, pour vrai, là. Bye.